Mathéo, remets-toi un peu. On avait dit qu'on se partageait le travail. J'ai presque terminé de rédiger mon introduction. Il y a l'autre gars de CM2 qui arrête pas de nous regarder. Va au moins chercher les 2-3 références qui sont sur la feuille. Il y a tout dedans, je suis sûre. T'auras juste qu'à recopier. Bon, la définition. Ça vient ? J'y suis presque. Mérovingien, première dynastie des rois francs, la mort de son petit-fils Clovis Ier, véritable fondateur du royaume franc, donna lieu au partage du royaume entre les fils de ce dernier, Gilbert Ier, Clodomir, Clotaire Ier et Thierry Ier, qui a abouti par la suite à la division en 4 royaumes. Voilà, t'as compris ? Ouais, vaguement. Mathéo, le jour où il saura tenir un truc entre ses 10 doigts. C'est quoi ce truc ? Julie, viens voir ! Mais viens ! Pour connaître la suite, rendez-vous au 917-1-CAN si tu n'as pas peur. C'est quoi ton papier ? Genre parchemin de mamie ? Attends, vas-y, mets ton chapeau. On dirait Harrison Ford. L'autre jour, il y avait Indiana Jones à la télé. Laisse ton truc, Julie, on y retourne. J'arriverai jamais à finir l'exposé sans toi. Une référence de livre, c'est une référence de livre. Ah ouais ? C'est par là ? Y'a rien dedans. Ouah, parle-moi fort. On dirait un plan. C'est la médiathèque. Il semblerait que la croix rouge désigne le placard à balai. T'en es sûr? Ma sœur a travaillé un été ici. Je connais un peu les lieux. Et ça mène où ? Nulle part. C'est un placard à balai, comme chez toi. Ouais, je vais aller voir. Fais attention, c'est peut-être un infesté de serpents. Venez, mais venez. Pas drôle. T'as trouvé quelque chose ? Bah non, y a rien. Tu t'écris dans un film d'aventure ? C'était trop marrant. Depuis le début, tout est bidon. On t'a piégé. Tout ? Oui. Le parchemin ? Tout ! On a fait ça hier. On a eu l'idée de la mise en scène dans un film. On pensait même que tu n'y croyais pas. C'était tellement gros. J'ai pas vraiment cru. Arrête, t'aurais vu ta tête quand t'avais le parchemin dans les mains. Bon, les gars, on y retourne à l'exposé ? Belle opposition. Bien joué aussi. Parle pas trop vite, samedi prochain la revanche. On verra ça. Allez, à samedi. Ouais, bon week-end. Je retourne, elle me fait trop peur de voir demain. On va être nos bonnes amies tous les deux. Pense à autre chose, c'est qu'un match. T'as prévu quelque chose demain ?
Mettez-moi ces masques, on ne va pas les effrayer plus longtemps. Paul, Sophie, qu'est-ce qui nous arrive? J'en ai bien conscience, la situation a un caractère exceptionnel. Vous êtes ici dans une pièce tenue secrète, d'où les masques sur votre visage. Pour autant, on ne vous veut aucun mal. Vous les reconnaissez? Arthur, Camille et Steven, ils sont tous les trois en classe avec vous, c'est eux qui m'ont parlé de votre profil. Je me présente, agent Gilbert, je travaille pour la DGSI, le renseignement intérieur. On va vous charger d'une mission et eux trois vous aideront au quotidien. Au sein de l'école, une mallette a été dérobée. Sur son contenu, je ne suis pas autorisé à vous en dire plus. Cependant, notre fort soupçon sur deux individus. Premièrement, la directrice. On a besoin que vous observiez ses déplacements lors de la pause déjeuner, car on pense que la mallette n'a pas encore quitté l'école. Deuxièmement, l'agent d'entretien. Il était présent le soir du vol, donc on ne peut pas écarter cette hypothèse. On n'a rien fait, la mallette. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Que vous observiez. Que vous me renseignez sur ce que je n'ai pas accès. Vous seul, au sein de l'école, n'éveillerez pas les soupçons. Tous les soirs de la semaine, vous cinq glisserez dans la boîte aux lettres de l'école vos observations par écrit, et dans une enveloppe. Votre mission s'arrête là. Vous êtes une équipe, je compte sur les anciens pour épauler les nouveaux rudiments. Pas un mot sur ce qu'on se raconte, inutile d'en parler, personne ne vous croira. On ne s'est jamais vu, je n'existe pas. La directrice a eu un vol. De quoi tu parles? T'as dû te tromper. C'est une directrice, pas une voleuse. Si on allait se faire un match de basket, on aurait une revanche à gagner. Ok, on fait ça. 3 contre 3 et en plus on est 6. Bonjour à toutes et à tous. Mesdemoiselles, les trois élèves vont recevoir d'une minute à l'autre. Elles ont un léger retard.
Candidat numéro 1. Madame, mademoiselle Durand-Cécile. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ah, c'est la consigne. Vous allez voir, ce sont des brunes, mais elles sont un peu blondes. Bonne chance. Bonjour. 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 Asseyez-vous. Restez debout, ça ne vous dérange pas. Waouh, Nabila s'est fait refaire l'arcade sourcilière. Huge. Pour ou contre? Pour ou contre? Nabila, évidemment. Si vous deviez donner une note entre 1 et 10, 1, vous êtes totalement pour, 10, vous êtes totalement contre. Je... 6. Ah oui, tout de même, c'est bien. Eh bien, merci, on vous rappellera. À bientôt. Suivant. Ah, un garçon. Vos chaussures, il faut les laisser à l'entrée. Suivant. J'aime particulièrement la plongée bouteille. Dans l'archipel des Tumatu, c'est en Polynésie française. C'est très beau, vous savez. D'ailleurs, il faut que je vous dise. La dernière fois, je me suis coupée à la cheville. Le corail est particulièrement rude là-bas. Oui, en effet. En définitive, comme vous avez pu le comprendre, j'aime bien l'action, le terrain, la dangerosité. Ce métier de détective est vraiment fait pour moi. Eh bien, merci, on vous rappellera. À bientôt. Je courais, mais j'ai pas réussi à l'attraper. J'ai une expérience de 4 années sur le terrain. Ah non, travailler en équipe ne fait pas peur. J'ai toujours rêvé d'être parmi les femmes. La vache, je suis claquée. J'ai rien vu de bon aujourd'hui. Hop, 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 les filles, on se réveille. J'ai un crime passionnel sur le feu. Ah oui, on prend, ça faisait longtemps. Et mettez les bottes. À ce point, ça a saigné. Mais non, on part sur Gwenou. Il risque d'y avoir un peu de boue.